Hoi hoi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto sur Dead by Daylight. Alors, vidéo attendue quand même sur notre cher cochon, The Pig. C'est tout droit, tiré de notre chère série saga Saw, que vraiment, je suis pas un gros fan des films d'horreur, mais faut avouer que la saga des Saw est quand même assez vraiment intéressante au niveau des films d'horreur. Donc, bien évidemment, comme dans tous mes vidéos tuto, je ferai 5 parties. D'abord, le pouvoir. Les accessoires qui sont derrière, les compétences enseignables, ensuite le build que je considère comme free to play, c'est-à-dire le build en considérant que vous avez que le cochon et les compétences propres à, enfin, que tous les tueurs ils ont en commun. Et enfin, on fera le let's play. Alors, du coup, déjà, il s'agit de Amanda. Parce que pour ceux qui ont vu la saga Le Cochon, il y en a plusieurs qui l'ont interprété. Donc il y a Amanda, il y a Jigsaw avant, naninana. Donc là, c'est Amanda qui. On est sur Amanda. Donc, elle a le pouvoir qui, d'abord, elle permet d'être accroupie en position accroupie. Donc elle ne génère pas de champ de terreur. Et ensuite, elle peut maintenir le clic gauche et rester appuyé dessus pour y aller d'un coup, foncer vite en allant sur les cibles. Alors, des fois, ça peut être sympa quand ils nous ont pas vus, mais quand ils nous ont vus, il vaut mieux pas l'utiliser parce qu'ils peuvent plus facilement nous esquiver et ils peuvent gagner plus de temps. Donc, la deuxième chose, c'est le piège à ours. Donc, ce fameux masque, ce piège à ours inversé, donc le masque qui nous met là et qui nous déchiquette, donc le fameux piège de cette saga. Alors, elle peut nous le mettre que lorsque l'on est à terre, en état critique. Dès qu'il est activé et qu'il est en place et qu'il est fini, ben, on meurt sur le champ. Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'il se déclenche automatiquement au-delà des portes de sortie. Ça veut dire que si quelqu'un veut s'échapper, que ce soit par la trappe ou par les portes de sortie, il doit obligatoirement se l'enlever, sinon bah il meurt. Sinon, alors je n'ai toujours pas vu cette animation quand quelqu'un meurt en essayant de s'échapper avec le masque, mais voilà. Donc pour que le minuteur s'enclenche, donc pour que le piège s'active, il faut qu'un générateur soit fait une fois qu'on a le masque. Dès qu'on a le masque et qu'un générateur est fait, il s'active. Attention, si un générateur et un ou deux ou plus générateurs ont été faits avant, ça compte pas. C'est du moment qu'on a le masque et tout et que le générateur s'active, là le masque il s'enclenche. Attention à ne pas faire la différence. Avec le que dès qu'on le met et qu'un générateur minimum est activé, il s'enclenche. Je ne vais pas confondre. Hein. Donc voilà. Alors elle est très intéressante parce que du coup pour les fins de partie, pour moi elle est très forte en fin de partie. Donc du coup justement les builds que je vous ferai après, ça sera en fonction de ça. Alors, ces accessoires, déjà, elle a une règle numéro 2 qui est très intéressante. Elle fait partie du coup des tueurs qui ont des ultra rares. Alors, elle permet en fait. Ah oui, quelque chose que j'ai encore oublié. Quand on a le masque, les survivants, on peut se l'enlever avec l'aide de l'un des quatre puzzles. Donc, tu vois, c'est une sorte de boîte où on met les mains dedans et on doit faire des tests. Bien évidemment, si on loupe le test, le tueur il est prévenu et tout. Et du coup, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se l'enlever, mais attention parce qu'il faut trouver la bonne pour s'en l'enlever. Imaginons que vous avez le mauvais, il vous faut la bonne clé. C'est-à-dire que si jamais vous avez par exemple le masque 3, il faut que vous alliez sur celui avec le numéro 3. Donc il n'y a pas de numéro, on ne le sait pas, mais c'est pour vous donner le point de vue. Alors du coup, avec celui-ci, quand on est survivant et qu'on a le masque, on ne voit pas où sont les puzzles. Donc du coup, les boîtes puzzle, on ne sait pas où elles sont, donc du coup, ça peut vraiment faire gagner pas mal de temps pour elle. Et donc c'est vraiment une. Bah, vu que c'est un ultra rare, c'est pas pour rien. Ensuite, l'autre ultra rare, c'est que quand on est accroupi, on voit les alliés qui sont à 12 mètres de nous, on voit leur aura. Donc ça peut être très intéressant pour mieux les cibler. Après, ça supprime 3 pierres à ours inversées disponibles et ça supprime 2 puzzles disponibles. Donc après, c'est à double tranchant celui-ci. C'est à double tranchant. Ça peut être bien comme ça peut se jouer contre nous. Donc attention à l'utiliser à bon escient. La caisse de rouage avec le sac de rouage, donc ça permet d'augmenter le temps aux survivants pour fouiller dans la boîte de puzzle, et bien ça réduit le temps pour lui mettre le masque dans la figure. Et donc ça c'est pareil, mais un peu moins puissant. Le croquis de Jigsaw avec le croquis annoté, donc ça permet d'ajouter une boîte puzzle, et celle-ci en plus d'ajouter une boîte puzzle, ça augmente modérément le temps d'activation du piège. Donc ça met un petit malus pour le tueur. Ensuite, vous avez le secret d'Amanda qui est sympa, qui. Ah non, pas le secret d'Amanda. Non, le secret d'Amanda, je l'aime pas trop. En fait, on ne voit pas, nous, les. On n'a pas l'aura des boîtes puzzle, mais on a une notification quand un survivant veut l'enlever, et l'enlève, quand il a enlevé, on a une vision de lui pendant 6 secondes. Donc, c'est. Ça peut être sympa,
Mais attention quand même. Après, c'est vrai que ça nous donne l'information qu'il y a un survivant qui l'enlève et tout. Donc, du coup, c'est sympa, mais. Ça dépend. Elle peut être utile. Comme je vous l'ai dit, chaque objet peut être utile à des moments alors qu'il est très fort, mais il peut être ne pas utile à certains moments. Donc, ça, il y a vraiment trop de facteurs inconnus. Le minuteur qui permet de réduire le délai d'activation du piège inversé. Donc, ça peut mettre plus la pression sur les survivants. Le croquis, je l'ai montré. Les dents rouillées. Donc, alors, elle fait partie des tueuses qui peuvent mettre des malus. Statues, excusez-moi. Donc les statues, je les expliquerai dans une prochaine vidéo qu'est-ce que c'est exactement. C'est vrai que j'ai toujours pas précisé quelles sont les statues. Donc celui-ci permet de mettre estropiement. Celui-ci permet de. Donc d'abord, ça augmente considérablement le délai d'activation des pièges à ours inversés, donc un peu comme celui-ci. Sauf que si un survivant fail dans l'un de ses tests pour s'enlever le masque, il se blesse. Donc ça peut être sympa, mais attention quand même. La toxine qui est intéressante, donc une fois qu'il a enlevé son piège à ours, il est épuisé, c'est-à-dire que toutes ses compétences d'épuisement sont annulées, et en général, très souvent, les survivants, on en a tous une minimum, voire deux des fois. La cassette qui permet de réduire légèrement le temps de recharge de l'embuscade et le temps de récupération des embuscades ratées, bon, pourquoi pas. Le fulbert bleu que j'aime beaucoup, réduit, en gros, ça augmente les chances d'avoir un test d'habilité pendant la boîte puzzle, et augmente la pénalité si jamais il y a un échec. Celle-ci, je la trouve énorme parce que pour moi, il y a une compétence qui sera indispensable avec elle et celle-ci va beaucoup aider. La lame cutter qui permet de mettre hémorragie quand il enlève le piège à ours. Le masque qui permet de mettre aveuglement, dans le même cas. Et enfin, le testament qui permet d'ajouter un piège à ours disponible. Donc ça, c'est sympa. Après, le reste, bon, c'est le classique. C'est le petit truc tonneau classique. Donc, c'est. Je vais vous dire après qu'est-ce qu'il faudrait mettre pour moi, ce qui est le plus intéressant. Alors, ses compétences enseignables, elle a d'abord coup du pendu, qui contre la compétence de sabotage de Jack. Quand elle est améliorée, les crochets détruits par sabotage ou sacrifice se réparent 10 secondes après qu'ils sont enlevés, quand elle est améliorée au max. Et ça, c'est énorme. Ça veut dire, imaginons que tu as mis quelqu'un à terre, tu te rapproches d'un crochet, et ben, au lieu de. Il y en a un qui t'enlève sous les yeux, ben, ce que tu fais, t'as le temps, t'as 10 secondes, tu la lâches, tu la laisses à côté. Tu t'occupes de taper les autres, et si jamais la personne est restée à côté, tu peux la récupérer et le remettre vite fait sur le crochet 10 secondes après. À mon avis, imaginons que tu fais ça, la personne, elle va plus penser à récupérer seule, parce qu'elle va se dire, tiens, le tueur est occupé et tout, donc à mon avis, ça peut être sympa, ça. Ensuite, la surveillance. Les trois derniers générateurs inversés vous sont indiqués en blanc pendant 16 secondes, donc pendant plus de secondes quand elle est améliorée, donc ces trois derniers au rang 3, hein, j'ai pas fait d'erreur. Et ça peut être sympa, mais. Je suis pas fan, enfin je trouve qu'il y a mieux. Je trouve qu'il y a mieux comme compétence sur elle. Mais après, bien évidemment, il sera toujours utile dans certains cas. Et prise de décision qui. Intéressant aussi. Donc elle met pendant 60 secondes la personne qui délivre un survivant alors que nous on est à moins, donc je crois que c'est 23 mètres si je me souviens bien, si c'est au rang 3. Et ben la personne qui a délivré le survivant, et ben il devient à découvert par le tueur. Et à découvert, c'est-à-dire qu'il te tape et tout, il te met à terre. Donc du coup, c'est le statut à découvert. Donc ça, c'est pas mal. Donc voilà les trois compétences qui sont pas mauvais. Ils ont leur utilité. Alors maintenant, je vais vous montrer le build que je vais faire sur elle. Donc déjà, le build free-to-play. Alors en build free-to-play, il y a plein de choses à mettre, mais ça dépend. Donc déjà, en premier lieu, on peut lui mettre la compétence à elle, le prise de décision. Ça peut être vraiment sympa. On peut lui mettre aussi. En deuxième, je pense que la surveillance, on peut lui mettre vu que c'est une compétence qui permet justement de ralentir les survivants, c'est-à-dire de voir qu'il y a un rapport avec les générateurs. C'est pas la meilleure, mais c'est un petit rapport, donc du coup on peut la mettre. En troisième, je pense que vous pouvez mettre personne n'échappe à la mort, que j'ai dû louper, qui doit être tout à gauche. Voilà. Elle est tout à gauche. Tac. Et en dernier, ça dépend. En dernier, donc vous pouvez mettre le murmure si jamais vous n'êtes pas sûr de bien les trouver. Sinon, vous pouvez vous mettre une compétence que tous les tueurs ils ont en commun. Sinon, vous pouvez mettre soit le coup pendu, soit le poing de fer, les deux se valent. Ou alors le pisteur, si jamais vous avez personne n'échappe à la mort en fin de partie, ça peut être sympa. Bien évidemment, ce build-là, pour moi, il n'est pas vraiment worse. Je vais vous faire maintenant un build qui est vraiment utile. Donc déjà, berceuse. La berceuse, pour moi, c'est la compétence la plus intéressante sur elle. Parce que quand vous accrochez les personnes. Les tests, du coup, même de la machine pour s'enlever le masque, il prend en compte. Pour ceux qui ne savent pas cette compétence de la chasseuse, quand on accroche quelqu'un, on a un jeton. Au bout de 5 jetons, ils n'ont aucun avertissement pendant quand il y a un test qui arrive. C'est-à-dire que d'habitude, on a toujours un petit bruit là, et après, on a le test qui arrive. Ben là, d'abord, pendant le 1 à 4 jetons, le délai il est réduit, donc des fois, ça les embête. Alors, quand il n'y a aucun avertissement,
C'est très embêtant pour eux, ils doivent vite trouver le totem. Donc du coup, on peut mettre la berceuse juste avec. On peut mettre aussi également la deuxième qui est pour moi indispensable chez les tueurs, c'est Chili et Barbecue, compétence de Leatherface, qui permet d'avoir des bonus de points de sang. Et en plus, quand on accroche quelqu'un et que les autres survivants sont pas... Le nombre de mètres, je sais plus, mais qui sont pas aux alentours de nous, on voit l'aura des survivants qui sont vraiment éloignés. Donc du coup, celle-ci, ce qui est bien, c'est que tu accroches quelqu'un, tu gagnes un jeton, et vite tu diriges vers quelqu'un d'autre. Et si jamais tu trouves personne, ça veut dire qu'ils sont tous aux alentours, donc là tu te mets en position, je me cherche et tu les trouves. Personne n'échappe à la mort, je la laisserai bien, je vais vous dire pourquoi. Et juste avec, on le mettrait bien la compétence... où est-ce qu'elle est? La compétence de... Freddy, tu peux mettre souviens-toi de moi, mais moi je préfère son autre compétence, qui est le gardien du sang. Parce que en fait, gardien du sang, quand tu accroches quelqu'un, et que la porte de sortie est ouverte, pendant une minute, les survivants ils ne peuvent pas sortir, ils sont bloqués. Par le même truc noir là derrière, là que je montre avec la souris, là, les trucs noirs, quand on s'approche en étant tueur, bah, les survivants ils ne peuvent pas s'échapper. Alors imaginez, vous les mettez tous à terre, imaginons que vous n'avez plus la berceuse, c'est pas grave. Vous avez normalement, personne n'échappe à la mort, parce que dites-vous que les deux compétences, il y a deux totems, mais ils ne savent pas quel est le totem dès le début. C'est-à-dire que la berceuse, ils ne savent pas qu'elle est là, sauf quand on commence à accrocher les personnes. Mais le personne n'échappe à la mort, on ne sait jamais quel totem. On ne sait jamais, à part quand le tueur il a le totem activé et que là, il nous tape. Là, on le sait. Mais du coup, ça peut faire gagner du temps. Alors imaginez, vous avez gardien du sang qui est activé, vous avez encore personne n'échappe à la mort, qui est là. Et bien vous avez le masque. Vous les mettez à terre. Vous les tapez, vous les mettez à terre, vous leur mettez le masque, vous les accrochez, ils sont bloqués. Et donc du coup, à force de les avoir tous tapés, d'en avoir mis un, deux, comme ça et tout, les crochets et donc avec les masques, ils sont obligés de se l'enlever, sinon ils peuvent pas s'échapper. Donc du coup, vous avez plus de chances de les tuer. C'est pour ça que ce build peut être très intéressant. Après, si vraiment vous voulez, vous pouvez mettre l'autre compétence de... Son autre compétence, souviens-toi de moi. Je pense que c'est mieux d'avoir... je pense que gardien du sang en fin de partie, c'est vraiment horrible. Là, avec ce build-là, en fin de partie, les survivants, c'est là où ils se relâchent le plus. En général, dites-vous que les survivants, quand les 5 générateurs sont activés, ils ont, pour eux, c'est tout est fait, et c'est là où ils se relâchent, et c'est là où ils font le plus d'erreurs. Et c'est pour ça que ce build-là peut être très intéressant. Sinon, déjà, ces deux-là, vous les gardez tout le temps. Pour moi, vous les gardez tout le temps. Sinon, ce que vous pouvez faire, vous pouvez rajouter, pour les ralentir plus... Un surcharge, une thanatophobie, un sort ruine, etc. Mais attention, parce que je vous mets déjà la berceuse avec déjà le totem. Donc attention de ne pas mettre trop de totem. Sinon, vous pouvez mettre la force brute, que je trouve intéressant sur elle, parce qu'elle fait partie des tueuses. Et des tueurs, du coup, qui n'ont pas la capacité de passer à travers les murs et ou de taper les survivants alors qu'il y a un obstacle entre vous. Donc ça peut être sympa, sinon vous pouvez mettre la chute de Franklin si vous voyez en face qu'ils ont plein de lampes, ou vous pouvez mettre la résistance à la lumière si vous voyez vraiment qu'ils vont jouer ensemble. Après les autres ça peut être utile, mais pour moi ce build là je trouve que c'est vraiment intéressant. Vraiment cela je trouve que c'est un build intéressant. Donc voilà, donc bien évidemment une fois que je vous ai présenté le personnage, je vous ai donné mon point de vue là dessus, je vais m'occuper de faire bien évidemment le let's play. Allez c'est parti, hop, créer un salon. Alors, vu que moi, malheureusement, elle est que niveau 4, donc je vais peut-être la mettre niveau 5. Ah ouais, c'est bon, je vais la mettre niveau 5. Ça va, niveau 5, mais du coup, je peux pas prendre la compétence. Ah bah tiens, c'est son coup pendu. Coup du pendu. Bah, du coup, moi, j'ai présence perturbante, donc c'est pas le meilleur. Malheureusement, j'ai... Donc là, je vais augmenter les tests d'habilité, les chances qu'ils intestent pendant le... Pendant qu'ils enlèvent le masque, et on va mettre la sangle... Ouais, on va mettre ça. De toute façon, j'ai rien d'autre à mettre. Et on va mettre un petit bonus de points en brutalité. Et c'est parti. Alors, vous voyez déjà qu'il y en a un qui a la lampe et un autre qui a... Et un autre qui a une boîte à outils. Donc du coup, ben... On va voir s'ils vont être ensemble. J'ai pas fait attention s'ils étaient ensemble. Je vais vite faire regarder. Oh, bah tiens, il y en a qui m'a mis une banderole de fête. Bah tant mieux. Du coup, ça va me faire un bonus de points de 100 de 125% du coup. Enfin, 125% dans la brutalité et 100% de partout. Donc c'est tant mieux. Du coup, je vais voir juste... Alors, n'hésitez pas à checker d'où ils viennent, quand vous les regardez tout. N'hésitez pas à les regarder, parce que du coup, vous pouvez voir vous pouvez voir à peu près s'ils vont être ensemble ou pas. Par exemple, imaginons que vous checkez deux personnes ou trois, et vous voyez que les trois viennent du même pays. Il y a de fortes chances, s'ils sont arrivés en même temps, c'est qu'il y a de très grandes chances, voire de presque obligés, ce sont des pre-made avec le vocal. Donc du coup, ils vont beaucoup communiquer, et si en plus ils ont des lampes torches, vous allez passer une sale game. Vraiment une sale game.
Donc c'est là où vous pouvez prendre la chute de Franklin, la résistance à la lumière, etc. Que ce soit avec, avec Amanda, donc le cochon, donc la nouvelle tueuse, ou alors que ce soit avec un autre tueur. Dans le cas où vous voulez utiliser le spectre et que vous mettez l'ultra rare qui lui permet d'être immunisé contre la lumière, là par contre ça peut être intéressant. Vous pouvez vous concentrer uniquement sur les perks pour le tuer. Donc voilà, je pense que je vous ai dit la meilleure chose à faire. Donc après, là, mon but, bon, bien sûr, je me mets toujours un objectif quand je fais une vidéo avec le tuto tueur, c'est d'en tuer au minimum 2, ou alors l'équivalent de 2, c'est-à-dire qu'imaginons qu'ils se sont tous les 4 échappés, mais je les ai tous accrochés une fois au minimum, c'est comme si j'ai gagné mon cristal, donc du coup, avoir mon cristal. Voilà, techniquement, c'est avoir mon cristal. C'est-à-dire tuer 2 personnes, entre guillemets. C'est-à-dire si j'ai tué 2 personnes, ou l'équivalent de 2 personnes, on a le cristal. Et si on a tué les 4, là, on a le deuxième. Et ça, je donne mon point de vue là-dessus, mais je trouve ça vraiment dommage qu'ils aient fait ce système-là. Avant, bah, c'était comme les survivants, t'avais 10 000 points, t'as ton cristal, entre 8 000 et 10 000, tu conservais, et à 8 000 points dans chaque catégorie, donc à minimum 16 000, mais à 8 000 points dans chaque catégorie, là, tu as... Non, à 5 000 points, pardon, dans chaque catégorie, donc à 20 000 points minimum, c'est là où tu pouvais avoir le deuxième. Et le problème, c'est que j'aime pas trop le système où, où tu tues, parce que du coup, t'as plus de chances de trouver des campeurs. Alors... Ah bah tiens, ils sont que 3. Bah du coup, mon but, c'est d'en tuer un seul. Bon, tant pis. What? Ah, il y en a qui a déjà fait exploser quelque chose, ou alors il a fait exprès. Ah. Bon, déjà, j'ai trouvé mon premier survivant. Bah tiens, voilà la première. La première, elle est là. Et malheureusement pour elle, bah je l'ai trouvé vite. Alors ça, c'est le problème de cette tueuse. Quand vous avez... vous trouvez un coffre et que le tueur il est juste là, il vous trouve. Encore quand c'est quelqu'un... mais qu'est-ce que tu fais là? Mec, je connais la technique. Hein. D'accord, donc il va m'embêter. Bah allez-y, embêtez-moi. Hein. Embêtez-moi. Allez, vas-y, viens. Bah, tu sais quoi, on va faire quelque chose. Voilà, ils l'ont délivré, mais ils se blessent tous en même temps. Donc c'est dommage pour eux parce que ils devraient pas faire ça, à tous s'entraider. Bon bah allez, vas-y, hein. Là, il va faire tomber le truc. Ah non, même pas. Ah là, il le fait tomber, bien sûr. Ouais, du coup, je tombe contre ça. Donc celui-là, c'est le mec qui garde l'aggro, mais le problème, c'est que c'est pas mauvais ce qu'ils font. Attention, c'est pas mauvais, je dis pas que c'est mauvais. Mais le souci, c'est qu'ils perdent beaucoup de temps. Le souci, c'est qu'ils perdent beaucoup de temps. C'est quoi, lui? On va essayer de le piéger. Là, vous avez vu, j'ai failli le piéger. Là, déjà, c'était pas mal ce que j'ai fait. J'ai failli le piéger. Voilà, les deux autres, ils s'entraident, mais le souci, c'est que ils perdent du temps en faisant ça. Ils perdent beaucoup de temps. Déjà qu'ils sont que 3, mais s'ils s'entraident beaucoup trop, ça va être mauvais pour eux, quoi. Donc, du coup, l'autre, je vais le lâcher parce qu'il va, il fait exprès de me chercher pour me faire perdre du temps. Donc, du coup, on va éviter de trop le... On va éviter de trop le pourchasser pour l'instant. Mais... Bon, là, ils se sont bien aidés. Ils se sont très bien aidés, mais... Du coup, là, vous voyez, dans ce cas-là, vous voyez que les survivants, ils jouent beaucoup ensemble. Vraiment, ils jouent vraiment beaucoup ensemble. Donc, du coup, ben, autant vraiment... Là, je peux être sûr que quand j'accroche quelqu'un, ils vont m'embêter. Là, ça peut être sûr. Et autre chose aussi que je vous ai peut-être pas précisé, c'est si jamais les personnes vous mettent la lumière dans la figure, pensez à regarder en l'air. C'est très important ça aussi. Ah là voilà. Là elle est là, elle est juste ici, donc là elle va me faire perdre du temps à tourner autour. Là elle va faire tomber la palette, on va leur le casser. Pour l'instant ils enlèvent leur palette, mais tant mieux parce qu'elle ne peut pas se soigner pour l'instant. Elle va tourner, elle va faire tourner exprès. Ah d'accord, bah finalement elle est pas mauvaise elle. Par contre, je connais ta technique, hein. Eh ouais, là, c'est une erreur que t'as faite, par contre. On va garder le masque. Ah, ça, c'est mauvais. Ça, c'est très mauvais de ta part, par contre. Alors, lui, il a très bien joué dans le sens où il a voulu... Où il a voulu me faire tomber la palette, sauf qu'il a fait beaucoup trop tôt. Donc ça, c'est vraiment dommage pour lui. C'est quoi? On va la lâcher et on va aller s'occuper de lui.
Ah là là, ça m'énerve quand tu tournes autour. Allez, vas-y, viens. Voilà, comme ça j'ai fait tomber le deuxième. Donc là, l'autre, il est là-bas, vous voyez, là, il va sauver l'autre. Lui, on va lui mettre le masque pendant qu'il va sauver la dernière. Et on va le mettre dans la base. Comme ça, ils vont s'entraider obligatoirement. Est-ce qu'il a réussi le test? Ah, il a loupé son test. Alors lui, il avait la compétence, le coup décisif. Et malheureusement pour lui, ben... Mais regardez, là, ce qu'ils font, c'est très mauvais. Ah, il a la compétence de... Donc là, je peux savoir que... Oh, mais qu'est-ce que tu me fais, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois, ça, c'est vraiment inutile, ça. Ça, c'est vraiment inutile. Des dés comme ça, alors que l'on n'a aucune paire, alors qu'on n'a pas le sur la réserve, c'est vraiment débile, ça, par contre. Il joue bien, mais il s'entraide de trop, en fait. Là, c'est le souci, c'est qu'il s'entraide beaucoup trop. Bon, allez. Donc là, du coup... Oula, il m'a fait beaucoup tourner, là. Et l'autre, elle s'est enlevée toute seule. L'autre, elle a dû s'enlever toute seule. Ah non, elle est là. Ah non, mais je l'ai pas accroché. Tiens, on va lui mettre le masque. Comme ça, je vais leur faire plus de temps. L'autre, il va les délivrer. Mais je sais pas pourquoi ils s'entraident à ce point-là ensemble. Oh, ils sont que trois, c'est pas... Je comprends un peu. Mais je comprends pas pourquoi ils s'entraident à ce point-là, en fait. Donc, n'allez surtout pas délivrer les personnes quand vous êtes... Quand vous êtes le tueur qui est aux alentours et que vous n'avez pas sur la réserve, ne faites surtout pas ça. Parce que si vous tombez contre d'autres tueurs qui sont d'autres survivants ou tueurs qui sont mauvais, bon, c'est pas grave. Mais si le tueur il est très bon et moi qui connais très bien le jeu, faut surtout pas faire ça quoi. Donc là ils se sont tous entraînés. Donc je m'attendais à ce qu'il y aille, mais je voulais pas. Bah du coup elle on va l'amener. L'autre je sais qu'il est en bas. Voilà, lui, on va le faire reculer. En plus, sa lampe, elle va pas tarder à lâcher, je pense. On va la mettre derrière. Comme ça, on va leur faire perdre plus de temps. Si vous pouvez le mettre derrière, mettez-la derrière. Ah ben non, mais c'était la fin pour elle. Bon, bah tant pis. Donc là, l'autre, il a couru. Il a couru là-bas, à gauche. Il était là. Bon, bah du coup, elle est morte. Lui, il est à terre. Ça sert à rien que je leur mette le masque pour l'instant, mais... Le masque, l'autre, il a toujours. Du coup, lui, je lui mettrai que pour l'empêcher de partir à la trappe. Ça peut être sympa. Ça, c'est le point positif de cette tueuse, c'est ça. Alors... What? Comment il a fait ses... Ah, mais le coup décisif, d'accord, il a le coup décisif. D'accord, ok. Donc, lui, il a le coup décisif aussi, rang 3, mais il a la version... Comme c'était pas lui la cible, je savais pas qu'il avait... Bon, du coup, tant mieux pour lui, il a fait gagner. Ah, mais il est parti à gauche là. Ah, il a fait exprès de ne pas activer le truc. What? Je l'ai tapé dessus. Alors, tu vois, ça, c'est un bug qui m'énerve. C'est moi, quand je fais ça et que je suis le survivant, je me prends le coup. Lui, je lui ai mis, il se l'est pas pris. Donc, ça doit venir de ma connexion. J'ai dû avoir une trop bonne connexion. Là, il a de quoi bien s'échapper. On va le poursuivre. Là, il va le faire tomber. Ah, mais je me suis écarté. Ouais, il revient. Bon, et là, je suis obligé de le casser, sinon je vais perdre trop de temps. Ah, il est parti à gauche. Là, il m'a eu. Là, par contre, je joue contre des bons survivants. Il y en a une qui est morte, mais je joue contre des bons survivants. Tiens, il était là. Mais il a fait exprès de ne pas activer le générateur. Parce que sinon, son masque, il allait s'activer. Donc, vous avez vu, ça peut vous faire gagner du temps, ça aussi. Ça peut vous faire gagner du temps. Bon, là, il va commencer à être en manque de palettes. Il va commencer à être en manque de palettes. Ah, mais bien sûr, il y en a une autre. Là, au moment où je dis ça, il y en a une ici.
Ah là par contre je vais le mettre le coup par contre là pour lui, dommage. Ah j'ai trop tard, j'étais un peu trop tard. Putain il m'a fait peur, je m'attendais pas à ce qu'il fasse ça. Oh lui par contre il me casse les biens, lui j'aime pas, je déteste ce genre de gameplay là qui te font perdre trop de temps comme ça. Et tu vois c'est le souci de cette chose, c'est son souci à elle. Ah encore une palette, sérieusement. Genre je l'ai loupé quoi. Je l'ai loupé putain. Et c'est bon là, il va y avoir plus trop de palettes là, c'est bon là. Voilà, putain là il commence à plus avoir de palettes, il était temps quand même. Parce que là c'est un peu relou quoi, avec ces palettes là. Allez viens là. Ah il a bugué là. Où il bug, où il bug, où le bug qu'il a eu. Oh le méchant bug qu'il a eu. Ah, il a activé le générateur, l'autre. Du coup, on va l'accrocher juste là. On va taper le générateur. L'autre, il est vers là-bas. Merde, pourquoi ça ne va pas s'activer? Ah, mais il a quitté. Putain, je me disais aussi, j'ai peur. Je me disais aussi, d'un coup, j'étais plus rapide. Il a dû avoir une déco. Bon, du coup, on va se mettre accroupi. On va essayer de se mettre en hauteur pour trouver le dernier. Ah bah il a tout... Ah bah d'accord, il était juste derrière moi, d'accord. Donc là il va chercher la trappe, putain faut vite que je le mette à terre. Donc là il était par là, donc là il est par là. Là c'est obligé qu'il est dans ce coin là. Est-ce qu'il a tourné là? Il a pas tourné là. Là il est aux alentours, c'est obligé. Parce qu'il y avait des traces par ici, donc il peut être que par là. Mais où? C'est ça le problème. Le souci que quand on est dans cette phase, c'est qu'on n'a pas une grosse vision. Mais bon, au moins l'important c'est que je vous ai montré un peu de quoi elle était capable, c'était juste le plus important dans cette vidéo. Après, avec moi ils sont pas mauvais, mais ils se sont trop aidés en fait, c'était le souci, c'est qu'ils se sont trop aidés. Ça aussi, quand vous êtes survivant, faites attention à ça, évitez de trop vous aider. C'est bien de vous aider, mais trop, bah vous bloquez, vous ralentissez les générateurs et après vous êtes mort. Bon là, le mec il a réussi à bien me tenir parce que malheureusement cette map elle est pas... Ah bah tiens. Je l'ai trouvé la trappe, mais est-ce que lui il est dessus? Ah bon bah du coup j'ai trouvé la trappe, mais bon. Le problème c'est ce que je vais réussir à l'empêcher de le prendre. Est-ce que lui va... L'avantage c'est que je génère pas de champ de terreur, donc du coup, s'il me voit pas à l'œil nu, il ne saura pas que la trappe elle est là. Ah là-bas, il a couru là. Là-bas, il y a des traces. Il a couru par là. Ah, c'est horrible, là, le jeu du chasse, du chat et la souris, quoi, c'est chiant. On va se mettre en hauteur, peut-être, pour aller le trouver. Sauf s'il a trouvé la trappe. Ah, il a trouvé la trappe. Ah non, il a abandonné. Ah non, 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 il a trouvé la trappe, attends. Il a trouvé la trappe, il a pas quitté, j'ai eu peur, attends. Ah non, il a bien trouvé, ouais, bon, il a trouvé. Bah, c'était obligé, le problème, c'est que là, je devais à chaque fois regarder et tout, mais je l'ai pas absolument regardé là. Ah, c'est pour ça qu'il avait pas réussi à m'avoir, parce qu'il avait mis la pile. C'est pour ça qu'il a duré aussi longtemps. Bon, bah, tant pis, je vais juste reporter lui parce qu'il a live, et du coup, c'était horrible pour eux. Alors, on va y voir une qui venait du Canada, et l'autre, je ne sais pas. Et le dernier, je sais pas d'où il venait. Le dernier non plus. Bon, je sais qu'il y avait une canadienne, donc les autres, je sais pas. Mais bon, lui, je vais le report parce qu'il a... Ah non, 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 lui, c'est celui qui a quitté, donc je m'en fous, c'est lui que je vais report. S'il faut, l'autre, il a dû avoir une... L'autre, il a dû avoir une... Un souci. Bon, tant pis, c'est à cause de lui, ils ont eu un souci. Bon, ben voilà, du coup, j'espère que ce tuto vous a permis de mieux revoir et comprendre ce tueur. Il y a de grandes chances que je referai d'autres vidéos sur ce tueur, mais déjà, il y a des maps... Cette map-là, elle était pas... C'était pas la plus avantageuse pour elle parce que... Quand tu poursuis quelqu'un et qu'il y a beaucoup de palettes, bah du coup, ils peuvent te brain très longtemps. Et c'est son point faible à elle. Après, ça vous... Vous avez vu, à un moment ou l'autre, j'ai failli l'avoir avec mon invisibilité où il m'a pas vu et j'aurais pu le foncer dessus. Et je l'ai surpris même. Mais malheureusement, j'ai pas pu en profiter. Donc voilà. Donc si jamais vous avez d'autres questions et tout, n'hésitez pas à me le dire. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.